Très peu de gens ont réellement conscience de la fragilité de la vie. On tente de se persuader que les drames n'arrivent qu'aux autres et que jamais la fatalité ne croisera notre chemin. Mais à l'hôpital, nous savons qu'à tout moment, un cas d'urgence peut venir bousculer notre routine. Je la vois, lapin. Et la tête qui sort, là, lapin. Allez, courage, madame. Courage. C'est super, madame Perrin. C'est super. Très, très bien. Et la tête qui sort, ma puce. Si vous pouvez doucement. Doucement, ma belle, voilà. Si c'est possible. En soufflant. T'es super, ma puce, là. Vous soufflez. C'est bon. Regardez. C'est une fille. La fille. Express. Tranquille. Bravo, madame Ferrand. Oh là là. Sans péri en 5 minutes. Troisième enfant. Voilà. T'as été génial, ma puce. Ouais, un petit cas. Elle est belle, hein. C'est pas croyable, t'avais ça et dans l'antre il y a 5 minutes. Salut, toi. La chance, c'est que l'accouchement était tellement rapide que ma fille est sortie toute rose, toute belle, elle a crié et je l'ai eue seulement tout de suite. Et pour ça, oh, ça c'est extraordinaire, c'est génial. Ah, je suis ému, je suis content, je suis soulagé que tout soit bien passé. Je suis très fier de ma femme, une vraie professionnelle de l'accouchement, là. Je pense que j'ai réveillé tout l'hôpital. En même temps, ça a été court. Ils m'ont entendu crier 5 minutes et après, c'était fini. Je les ai pas embêtés longtemps. Bah, c'était un accouchement super, c'était rapide, c'était efficace. Parce que là, pour le coup, elle poussait extrêmement bien. En même temps, elle savait exactement à quel endroit ça lui faisait mal et à quel endroit il fallait faire sortir l'enfant.